Salut tout le monde, et aujourd'hui c'est Erkil qui va vous présenter une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va vous être présentée par moi, évidemment, comme je viens de le dire précédemment. Un truc qui ne sert strictement à rien. Alors je vais vous apprendre comment infecter d'autres personnes avec le mode menu XCOV X V5. Donc déjà, vous commencez par créer une partie avec mode de jeu n'importe lequel et une carte n'importe laquelle. Vous lancez la partie, tout simplement. Ensuite, vous attendez que ça se lance, tranquille et tout. Voilà. Vous attendez. Vous prenez ce que vous voulez. Donc oui, là c'est moi, j'ai changé mes classes et tout. Voilà. Vous appuyez sur le bouton back pour activer le menu. Ensuite, vous appuyez sur le D-pad right pour ouvrir le menu. Vous allez dans Infect menu. Vous appuyez sur X. Ensuite, vous allez dans Give partie 1. C'est tout de suite. Vous appuyez sur X et vous pouvez réappuyer. Après, ça vous met une sorte d'avance rapide. Vous attendez que ça vous l'enlève. Voilà. Une fois que l'avance rapide est enlevée, vous appuyez sur Start. Vous pouvez arrêter la partie. Donc, voilà. Alors, une fois que la partie est finie, voilà. Alors maintenant vous avez ceci. Ce qu'il faut faire, vous ouvrez votre groupe. Après vous invitez des gens. Ils vont ensuite aller dans l'écran scindé. Comme ceci. Alors, voilà, écran scindé. Tac, ils vont commencer la partie. Après ça va leur faire quitter, ils vont se revenir là. Ils vont devoir réaller dans Xbox Live. Ils vont vous rejoindre. Donc voilà. Ensuite, une fois que tous ceux vous ont rejoint, donc ils auront tous le nom de clan X@COV, comme moi, vous allez dans paramètres, carte, vous changez la carte et surtout ne pas changer le mode de jeu, car vous voyez que le mode de jeu est une sorte de lobby. Voilà, je ne sais pas si d'ici vous le voyez, mais c'est une sorte de lobby, donc il ne faut surtout pas changer le mode de jeu, juste la carte. Après, vous commencez la partie, donc vous aurez les petits trucs comme ça sur le côté, enfin ici. VSTRG, Tenkemong, Allié, White10, VSTR, VLOOP. Alors voilà. Une fois, voilà, vous choisissez votre classe. Personne ne pourra spawn à part vous. Vous réappuyez pour ouvrir le menu. Vous allez dans Infect menu et vous allez dans Start Infect. Et après, vous appuyez sur X, ça va commencer l'infection. Il y en a à peu près 340. Et ça fait du genre 1, 2, 3, 4. Comme ça, c'est assez long, ça dure à peu près 10 minutes pour infecter quelqu'un. Mais bon, après, il a le menu, il peut lui-même infecter des gens. Donc là, vous avez le menu si vous êtes l'autre, des messages et tout, vous pouvez mettre. Voilà, voilà ça, par exemple. Alors, attendez. Je vais marquer subscribe. Vous appuyez sur Start, après vous appuyez sur Back, et hop là, le message s'affiche. À chaque fois que vous appuyez sur Back, le message va s'afficher. Alors là, vous avez le mode menu Host, et comme vous n'êtes pas l'autre, et bien vous avez le petit menu Mon Host avec God Mode, No Clip, UFO Mode, Give All, et Unlimited UAV. Unlimited UAV, c'est en fait, vous appuyez sur X et vous avez le radar actif. Le God Mode, vous devez connaître, le No Clip, vous devez connaître aussi, vous passez au travers les murs. Le UFO mat, c'est exactement pareil que le noclip, sauf que ça se base que sur le côté. Voilà, ça fait que comme ça. Vous pouvez pas aller en haut ou en bas. Bon, pour l'activer c'est X, et pour le désactiver c'est encore X. Et le give all, vous devez connaître aussi, c'est avoir toutes les armes du jeu. Et bien évidemment, qui dit toutes les armes, qui dit, alors attendez, je vais essayer de le choper. Qui dit l'arme par défaut. Voilà, je suis désolé, je l'ai passé, je vais essayer de le réavoir. Je vais me dépêcher. Je vais bientôt l'avoir, alors attendez. T99 FD tag bar, voilà, et voilà, vous l'avez.
Donc franchement c'est une arme assez sympa. Vous... Par contre elle one shot, mais en headshot elle one shot et vous mettez deux balles et le mec il meurt. Alors voilà, donc quand vous êtes l'autre aussi, il y a un truc qui est bien, vous avez lobby setting, vous avez du big XP, vous pouvez faire du big XP. Vous pouvez même créer votre propre big XP. Donc du genre vous mettez, je sais pas, voilà, vous mettez la totale de 9. Start, tac. Voilà, ça va recommencer la game. Après vous allez mettre vous allez genre mettre des bots. Alors attendez, add bot 7, voilà. Ensuite vous allez dans main mode pour vous taper une petite rip dans super strong mods. Vous allez ensuite dans frat knife et voilà. Donc après là tous les bots déjà vont EP parce que ça vous... Oups. Bon bref, à chaque fois que vous appuyez sur back, ça va vous remettre le big XP. Donc je vous conseille d'aller dans le message. Tac, et après voilà. Et voilà. Après comme ça à chaque fois, là ça va vous mettre le big XP. Et donc je vais rajouter les bots parce que maintenant je les ai plus. Et par exemple, à chaque fois que vous allez tuer un bot. Hop, donc voilà, vous déjà voyez hein, tous les bots up, même les bots qui peuvent. Alors vous voyez, j'ai pas le radar. Tac, je vais. Hop. Même pas besoin de l'activer. En fait, vous allez juste dessus et ça vous active instantanément. Bah le mode. Alors je vais tuer le bot. Et voilà. Déjà ça fait moins 6. Je sais pas pourquoi. Mais sinon, le big XP marche. Vous upez presque à chaque fois. Enfin, vous upez un level à chaque fois que bah. Ça marque ce message. Donc voilà. Donc c'était juste pour comment infecter quelqu'un et un petit peu comment se servir du menu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.